Qui était Laura Wheeler Waring? Laura voit le jour un 16 mai 1887 à Hartford aux États-Unis, fille d'un révérend et de la fille d'un ministre presbytérien et d'une activiste anti-esclavagisme. Elle a bénéficié d'une éducation érudite qu'elle a poursuivie à la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Philadelphie. Elle s'oriente tout d'abord vers l'enseignement et inculque l'art et la musique. Ce métier en pensionnat était très prenant et ne lui permettait donc pas de pratiquer son art. En 1914, elle se voit accorder une bourse et part étudier à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris. On la croisera souvent dans les jardins du Luxembourg en train de peindre passants et paysages. Elle passe également de longs moments au Louvre à étudier Monet, Manet, Corot et Cézanne. La guerre l'oblige néanmoins à retourner aux États-Unis et elle ne reviendra à Paris qu'à partir de 1924. C'est cette période qui marque un tournant dans son style. Sa palette se fait plus vive et elle se tourne davantage vers le portrait. Elle sera en 1927 parmi les artistes exposés pour la première exposition dédiée à l'art afro-américain. Elle décède en 1948 à Philadelphie des suites d'une longue maladie. Maintenant tu sais.